Good morning, 47. Your destination is the Himipan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Bon, Denise, c'est l'heure de ma pause syndicale. Je te confie le bar. On se revoit ce soir dans ma suite. Coquine. Bien, bonjour à tous, c'est MatSolidSnake44 et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui devrait être ma première vidéo sur la quatrième mission de ce Hitman, de la saison 1 de Hitman sur PS4, chapitre qui se déroule à Bangkok dans un palace 5 étoiles où on doit assassiner encore une fois deux cibles, un rocker, le leader d'un groupe de rock, et un avocat pourri jusqu'à l'os. Niveau de Bangkok qui est... alors je ne saurais pas dire quel est le niveau que je préfère, le chapitre que je préfère dans ce Hitman, parce que je les trouve tous excellents, hormis les chapitres bonus qui ne sont pas forcément tous très intéressants, mais les chapitres principaux eux, sont vraiment sympas. Je sais pas si Bangkok c'est celui que je préfère, parce que après Marrakech et Sapienza qui sont très grands et très riches, je trouve que ce chapitre à Bangkok qui, dans sa structure, est très différent, hein, il ressemble plus au chapitre de Paris, qui est très vertical. Je le trouve un poil en dessous, ce chapitre de Bangkok. Néanmoins, c'est un chapitre qui est, je trouve, très réussi, ne serait-ce que artistiquement parlant. C'est sans doute le plus chatoyant pour les yeux, parce que c'est le plus coloré, le plus vif. Il est vraiment super beau. Bref, aujourd'hui, pour cette première mission, je pense que je vais vous faire deux vidéos sur ce chapitre, plus le contrat que je vous avais soumis à Bangkok.
dans la vidéo précédente que je vous ai faite sur ma méthode de mon contrat Le Dernier Jedi à Marrakech. Ouais, c'est bien par là que je veux aller. J'ai choisi de vous faire cette mission selon des méthodes que j'ai assez peu employées. Alors j'ai un petit peu répété avant de me lancer dedans. On va utiliser, comment dire... Alors j'ai beaucoup utilisé les étages supérieurs. Je vais essayer d'utiliser des opportunités qui me font utiliser plutôt le rez-de-chaussée, le sous-sol du bâtiment. Même si là on commence à grimper dans les étages pour le coup. On va utiliser, comment dire, la preuve. Voilà, donc l'avocat pourri, la Ken Morgan, il a rendez-vous avec une certaine Dexie Barat, qui est l'agent de Jordan Cross, pour que celle-ci lui remette un document compromettant sur l'autre cible, Jordan Cross. Apparemment, ils bossent ensemble, c'est le père de la star en plus qui tire les ficelles dans l'ombre de tout ça. Bon, je sais pas si je vous ferai un petit montage ou quoi au début pour vous montrer quelques petits trucs. J'ai commencé un petit peu à faire du repérage avant de lancer la vidéo. On verra l'autre facette de ce... Comment dire, merde. De ce contrat, de cette narration qui est comme d'habitude racontée au second plan. Dans la deuxième vidéo, on verra, comment dire, ce qui est l'opportunité qui montre la... Bah, c'est un petit peu la même, mais elle montre la situation sous les yeux de Dexie Barat, pour le coup, qui est l'agent de Jordan Cross. Et ces deux opportunités qui sont liées, donc je trouvais ça intéressant de faire dans la première vidéo celle-ci, la preuve, et de faire intervention dans la deuxième. Et pour Jordan Cross, on va utiliser autre chose après. Dans cette vidéo, on utilisera les nuisibles. On va en reparler, on est passé à côté d'un... Comment dire, vous avez vu au rez-de-chaussée, on est passé à côté, comment ça s'appelle, un exterminateur, voilà, qui vient, l'hôtel est en train de se faire traiter contre les insectes. Donc ça, c'est la fameuse Dexie Barat, l'agent de... Ouais, mais c'est bon, j'ai pas l'intention d'entrer. L'agent de Cross. Nous, on doit récupérer un message, en fait, que Dexie Barat doit envoyer à Morgan Cross pour qu'il se rende compte et qu'elle lui remette un document compromettant sur Jordan Cross. Ce document, c'est un bonhomme qui se trouve normalement ici qu'il possède. The letter, Neil, the one Dexie Barat told you to take down to reception 3 hours ago. Ah, right. No, I'm just comatose today. No, j'ai pris un costume de serveur. C'est un costume qui me permet de me balader un petit peu partout avec très peu de gens qui peuvent me griller, donc on est plutôt à l'aise, c'est pas mal. Bon, on est le seul membre du staff de l'hôtel qui n'a pas du tout le look thaïlandais. On est le seul blanc bec. Voilà, donc Dexie Barat a remis le message qu'elle doit donner à Ken Morgan, au mec avec le pull noué autour de la taille là, qui est en train de se prendre une binouze. Ça fait 3 heures qu'il devait aller le remettre à la réception et le mec il a pas l'air pressé d'y aller. Il en a un peu rien à foutre. Donc là je vais attendre un petit moment qu'il finisse la conversation et après il va aller s'isoler. Il va aller s'isoler, il va aller pisser un coup. Hiring Dexie Barat is the only privileged thing he did. He wanted to prove himself. Do it right and true. You gotta respect that. Putain, le bordel qu'ils ont foutu, quoi. Toutes les chambres qu'ils ont louées, elles sont cradingues comme ça. C'est vraiment abusé. Ah merde, y'en a un qui va... Lui, il va gerber aussi? Putain, et comment je vais faire? Lui, il est censé aller pisser. Ah non, il gère dans le bidet. Hey, it's not like I'm antisocial. I just don't like you. Please leave. Ok, donc personne d'autre nous a entendu. Bon, j'ai l'intention de faire... de pas faire ça n'importe comment, mais... J'ai pas spécialement l'intention de faire un silent assassin, hein, donc personne nous a entendu à l'extérieur, c'est le principal. Là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait un autre qui vienne gerber. Donc voilà, ça s'est goupillé comme ça.
Il y aura peut-être un petit peu de casse dans cette vidéo, mais vous connaissez mon slogan, s'il faut coller quelques bourre-pifs, et ben on collera des bourre-pifs, et puis voilà. Hein. C'est quand même plus rigolo de temps en temps de se castagner un petit peu que de faire tout le temps le Silent Assassin, là. Ça fait 15 jours que j'ai essayé d'en faire sur mon contrat à Marrakech. Je commence à en avoir un petit peu soupé du Silent Assassin. De temps en temps, faut se défouler aussi. Donc là, on va aller remettre notre message à la direction pour que Ken Morgan le trouve. Alors attention, je vérifie quand même. J'ai activé les points blancs récemment. Oh putain. Parce que je trouve ça assez... assez chiant de pouvoir se faire griller par n'importe qui, en fait. Comme ça, sans savoir... alors, vous allez me dire... Jusqu'ici, tu les utilisais pas, les aides. Bah ouais, c'est vrai. Et plus je les utilise, et moins j'ai envie de m'en passer. C'est ça qui est chiant. C'est là le piège, en fait. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, c'est quand même plus pratique si je peux réagir plus rapidement, si je sais quel bonhomme peut me griller ou pas. J'ai pas besoin de recommencer s'il y a un souci. Là, par exemple, vous voyez le gars qui est là-bas, là. Avec le point blanc. Alors attention, parce que là... Lui, peu importe comment je suis déguisé, il peut griller tout le monde, le mec, là. Je sais pas d'où il sort, celui-là, mais c'est un emmerdeur. Donc, heureusement, il y a le petit poteau pour se cacher. Bon, Ken Morgan, il va pas revenir tout de suite chercher la lettre, puisqu'il est reparti de l'autre côté. C'est bon, ça me laisse un bon timing pour aller chercher l'arme que je veux utiliser pour le tuer. Je l'ai caché dans les toilettes. Ouais, j'ai pas tout suivi. Je vais aller chercher mon arme, et puis après on va l'attendre. Voilà, truc classique, on va se faire un petit coup de seringue, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La seringue qui, comme la corde à piano, était l'un des éléments essentiels des anciens Hitman, et qui maintenant a tellement de manières de tuer les cibles, en fait, que la seringue et la corde à piano sont presque devenues inutiles, alors qu'avant... on en avait absolument besoin, que de la seringue sédatif ou de la seringue de poison. D'ailleurs, il n'y a plus de seringue de sédatif. Ça, c'est un truc qui est assez dingue. Ah, ça y est, on va tomber à peu près pile au bon moment. Il n'y a plus de seringue pour endormir. Là, il va venir goûter les plats. Alors, il y a un truc que je voulais faire aussi, que j'aurais pu utiliser. Je ne sais pas ce que je vais faire pour Ken Morgan dans ma seconde vidéo. J'aimerais bien l'empoisonner, mais je crois qu'à chaque fois qu'il vient ici, il change d'assiette. Alors, comment vous voulez savoir dans quelle assiette il va se servir? Et je sais pas s'il change d'assiette à chaque fois qu'il vient, ou s'il change d'assiette juste à chaque vidéo. Auquel cas, il faut juste repérer une fois et après, c'est bon. Dans le restaurant, là, faut faire attention à une ou deux personnes. Celui qui fait l'aller-retour et la serveuse qui reste fixe, là, elle pose pas de problème majeur. Any messages for me? Let me check. Yes, Mr. Morgan. Ah, attention à la daronne aussi, là. La directrice de l'hôtel, elle peut nous choper avec sa petite veste verte. Là. Mais c'est intéressant d'essayer de l'assommer parce qu'elle a un passe-partout de toutes les chambres sur elle. Ça peut être super pratique. Voilà, donc là on a juste à les suivre. En faisant attention à pas croiser le regard de la directrice. Voilà, elle va passer juste avant nous. Faisons comme si de rien n'était. Je ne vous suis pas. On va prendre ça. Ça nous servira peut-être plus tard. Voilà, donc là, ils se rendent au lieu de rendez-vous avec Dexy Barat. Mais comme ils ont 3 heures de retard, vu que la lettre est arrivée avec 3 heures de retard, bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. Et le but, c'est juste en fait de les emmener dans un coin tranquille, à l'abri des regards, où on va pouvoir tuer Ken Morgan tranquillou, quoi.
This must be the place. Wait outside. Negotiations are best done on equal terms. If you think that's better. Voilà, donc là il va demander à son garde du corps de partir. Il va faire évacuer aussi tout le personnel qui est dans la pièce pour pouvoir passer son coup de fil peinard. Bien sûr, vous, si vous restez caché, personne ne sait que vous êtes encore là. Voilà. Faut faire attention parce qu'il est, il surveille ses arrières quand même. Et il va passer son coup de fil. Miss Barrett, something queer about this. Voilà, et c'est bizarre, on a toujours l'impression qu'il donne un coup de piqûre dans le cul maintenant, alors qu'avant il prenait la personne par derrière et il collait bien dans le cou comme ça, je trouvais ça plus classe, mais bon. Voilà, bon alors lui il est éliminé, alors là on va faire un petit truc qui est pas forcément très catholique, mais on va se faire l'ami Otis aussi. Parce que Otis, je l'ai bien observé, Otis c'est le garde du corps qui est juste à l'extérieur, et Otis c'est un sacré lèche-cul, et moi j'aime pas trop les lèche-cul. J'attendais qu'il se retourne parce que je préfère le coup de face et à chaque fois je le trouve mais d'une violence. C'est dommage, je crois que la dernière fois il avait laissé la hache plantée dans sa tête ou alors c'est moi qui ai eu la berlue. Bon. Allez, on va pas le laisser là quand même, ça fait pas pro. On va le mettre avec l'avocat. Voilà. Bon, très bien. Deuxième cible maintenant, on va passer à l'éradication des nuisibles. Alors là, il faut que j'aille chercher l'exterminateur. Il faut qu'on remonte. Il faut qu'on remonte. Là, il y a un escalier, il me semble. Ouais. D'ailleurs, c'est la pièce où l'exterminateur vient de temps en temps avec, avec un groom. Il y a un groom qui le suit tout le temps. Ah bah, ils sont là. Ça tombe très bien. J'espère que le garde va pas nous entendre. L'autre, il se méfie de moi, là. Alors attendez. Je pense pas qu'on puisse nous voir depuis l'autre côté des fenêtres là. Je crois pas parce qu'il y a du monde mais ce sera embêtant. C'est sûr. Là on sera direct grillé. Et je crois pas qu'on puisse, à moins qu'on tire dans la fenêtre. Voilà, au placard tous les deux. Merde, ah c'est pas ce costume là que je voulais. Voilà, très bien. Donc maintenant il faut qu'on aille chercher le produit à insecticide. Et le but, ça va être de le répandre ensuite dans le système de ventilation. On va aller voir la patronne, on va dire qu'on veut désinfecter la suite impériale dans laquelle se trouve Cross dans les étages. Ils vont descendre et en fait dans l'atrium et en fait on va remplir l'atrium de produits insecticides et tout le monde va s'évanouir. Je trouve ça assez classe. Je l'ai pas faite souvent, celle-là elle est pas mal. Par contre après il faudra qu'on se casse très rapidement parce que j'ai remarqué que les choses dégénèrent assez vite. Ouais. Alors le seul problème c'est qu'il y a un autre exterminateur et qu'il peut nous gauler. Et lui il reste tout le temps à côté du camion. Donc j'avais tenté un truc la dernière fois qui avait marché. Je vais essayer de refaire pareil, on va essayer de créer une diversion. C'est assez...
C'est Genesis qui va être content s'il voit cette vidéo. J'essaie de m'inspirer de ton travail, Genesis. Là, c'est pas pour tuer, c'est uniquement pour créer une diversion. Normalement, ça devrait marcher. Enfin, j'espère. On va se créer un petit truc sympa, hein. Toi qui aimes bien les explosifs, celle-là, c'est pour toi. Alors, on a un beau bidon de pétrole, là. Enfin, je crois que c'est du... Ouais, ça doit être de l'essence, gasoline, c'est marqué dessus. Et on a plein de scooters, là. Alors, voilà, avec la petite astuce que tu m'as rappelée l'autre jour, là, je savais plus comment on faisait. Voilà. Avec les deux gâchettes du haut, on peut poser un objet comme ça au lieu de le lâcher partir comme un con. Et voilà. Alors, j'ai quand même peut-être autorisé une sauvegarde ici parce que... Ce serait quand même un petit peu... Puis j'en profite, tiens, pour faire une, pour arrêter ma capture et pour la relancer. On va se faire une petite coupure. Voilà. La dernière fois, c'était même hier. Hop. On se fait sur la sauvegarde d'hier. Voilà. Donc, excusez-moi pour cette petite coupure. C'est vrai que d'habitude, je fais pas de sauvegarde. Mais je préfère assurer le coup. Ça me casse pas un peu les couilles, là. Ça se passe bien que tout tourne au vinaigre. Donc... Oh, oh, joli. Voilà, c'est très bien. Excellent. Ça s'est passé exactement comme je le voulais. Ils se sont tous mis à courir dans tous les sens et j'ai pu choper le produit. Le mec, il s'est barré en gueulant comme une fiotte. Enfin, j'arrête d'utiliser ces mots-là, moi. J'ai toujours tendance à... Après, comment voulez-vous dire aux gens que vous n'êtes pas homophobe? Attention, ça c'est pas un couteau de PD. Fais pas ta fiotte, fais pas ta tantouse. Bah ouais, c'est... On a l'habitude d'utiliser des expressions comme ça et c'est pas bien. C'est pas bien. Alors... Ah, la patronne, elle est là. Ça tombe bien. J'avais pas envie de la chercher. Alors. Miss? I'd like to inspect the penthouse now. Very well, I'll make the call. But, I'm warning you. No slip-ups, especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the ventilation system, you could gas the whole atrium. Understood, ma'am. Voilà, donc là, elle va passer un coup de fil. Voilà, alors je vais peut-être vous faire une mini coupure, parce que là, en fait, il va falloir attendre que tout le personnel... du studio d'enregistrement et Jordan Cross arrivent. Ils vont pas venir en courant, hein. Ils vont venir en marchant jusque dans l'atrium. Ils vont venir boire un coup en attendant que je fasse ce que j'ai à faire normalement, sauf que on va répandre le produit insecticide dans le conduit de ventilation de l'atrium. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors là, vous voyez, allez, c'est à la file indienne. Putain, le nombre de PNJ, j'ai jamais vu un nombre de PNJ aussi important à aller dans la même direction comme ça. On croirait un pèlerinage, quoi. Voilà, il y a Jordan Cross qui arrive, qui descend là. Il y en a encore quelques-uns après. Ils vont tous descendre. Tous. Ou presque. Donc on a juste à attendre. Je vais vous faire une petite coupure et on se reprend juste après. Ça y est. Le voilà. Revered and reviled in equal measures. Donc là, on a Wesley Stone, qui est, je sais pas, une espèce d'arrangeur de son, je saurais pas comment dire. C'est l'une des cibles de mon contrat de Bangkok, ça aussi, avec Cross. On va peut-être voir passer... voilà, il y a Heidi Santoro aussi, qu'on voit passer juste derrière, là, la fille avec les cheveux roux et le chapeau, qui est l'une de mes cibles aussi de mon contrat de Bangkok. J'ai juste à attendre qu'il aille... Qu'il aille s'asseoir dans un petit coin. Il va aller s'asseoir sur un canapé un peu plus loin.
J'espère que ça va se passer corps trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme corps? Bon, on s'en fout. C'est pas grave. C'est peut-être les mecs qui sont dans les chiottes que j'ai assommés au début, là. Allez, hop, après, faudra réagir vite parce que va y avoir des... Il y a des gardes qui vont réagir et qui vont réveiller tout le monde, bien sûr. Ça va alerter... Voilà, tout le monde s'endort. Putain, l'autre, il est resté dans une position bizarre. Énorme. Putain, faut que je prenne la carte de sécurité, on va aller désactiver les caméras. Oh putain, crime repéré. Ça va pas le faire. Ils m'ont vu. Oh putain, va falloir que je me rende. Alors là, je vois pas du tout comment je vais faire. J'étais pas censé me... Ah putain, là. Fais chier les gardes là en alerte. Je sais pas pourquoi ils m'ont grillé, mais je pouvais rien faire. Et ils m'ont vu prendre le costume. Je suis baisé, ils vont forcément essayer de m'arrêter. Qu'est-ce que j'ai en main là? Il me faudra un explosif pour me défendre. Là, ils sont 4. Et même si j'en tape un, les autres, ils vont tout de suite réagir. Je peux jeter le marteau déjà, mais... Mais le flingue, avec le pad, je serai jamais assez rapide pour pouvoir les flinguer tous les quatre d'un coup. Là. Parce que normalement, lui, il n'était pas censé rentrer avec moi. Je pense que cette fin de vidéo va dégénérer. Je voulais rentrer ici, c'est le PC sécurité, juste pour effacer les caméras. Et il y a un portable, on aurait pu foutre la merde avec. Est-ce que je recharge en arrière? Juste pour essayer? Parce que jusqu'ici... Bon allez, écoutez, on va tenter le coup. Et si je foire, je recharge exceptionnellement en arrière. D'habitude, je joue le jeu. Mais là, j'avais envie d'essayer de finir ça comme je voulais jusqu'à la fin. Alors, attends. Là, ils sont soupçonneux. Ok. Putain. Oh putain, ça va pas passer. En plus, je tire comme un pied alors. Putain, tire au pigeon là, c'est la foire. Le gars qui veut à tout prix... J'ai flingué tout le monde, mais... Je veux à tout prix désactiver les caméras. Putain de merde. Oh. Putain, on peut encaisser vachement de balles, n'empêche, maintenant. Ils ont amélioré... Attendez, parce que là, je fais vraiment n'importe quoi. Là. Ils ont, on va recharger en arrière et on va essayer de faire en sorte que ça se passe mieux que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ils ont vachement, t'avais raison, Genesis, tu m'avais fait remarquer ça il y a pas longtemps. Ils ont vachement, comment dire, amélioré la 17h. C'est la même. J'en ai fait une autre petite pendant la coupure. J'ai bien fait. Ils ont vachement augmenté la résistance de 47 face aux dégâts par balle. C'est quand même assez impressionnant. Je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Avant, on se prenait 3 balles à peu près, on était mort. Et même les mecs, alors, peut-être que ce qui a changé, c'est peut-être pas la résistance de 47. C'est peut-être, comment dire... Ah putain. Et ça va mettre un certain temps avant qu'ils reviennent. C'est peut-être la cadence de tir des armes, parce que moi j'ai remarqué qu'avant, en fait, les gardes, quand ils vous tiraient dessus, ils faisaient bam 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 bam, alors qu'ils avaient un semi-automatique, quoi. C'était du what the fuck, on aurait dit des mitraillettes MP5, leur flingue.
Et maintenant, ils font bam, 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 c'est beaucoup plus long, c'est du frais semi-automatique. Et peut-être que du coup, bah, ils font beaucoup moins de dégâts, vu qu'il y a moins de balles qui vous touchent. Enfin, que la cadence de tir est beaucoup plus faible. Et peut-être que c'est pour ça, en fait, que 47 résiste plus longtemps. Ils ont peut-être fait ça par souci de réalisme, mais du coup, la cadence de tir est plus réaliste, mais la résistance aux dégâts de 47 l'est beaucoup moins, elle. Donc, ouais, je sais pas si c'est les joueurs qui ont demandé à ce que ce soit corrigé, ou si c'est IO qui ont corrigé ça de leur propre chef. Toujours est-il que du coup, c'est mieux pour la cadence de tir, mais ça donne une espérance de vie qui est face aux balles qui est cheatée, quoi. Bon allez, on retente un coup, là, je suis désolé, ça m'agace un peu, je me suis peut-être trop précipité tout à l'heure, je sais pas. Ça devait pas se passer comme ça, hier j'ai fait exactement pareil, j'ai pas eu de problème. Faut que je me méfie des gardes qui sont à la fin, là. Faut peut-être pas que je parte par là. Hein? Voilà. Je pouvais pas lui péter la tête. Voilà, j'ai récupéré sa carte. Merde. Putain, j'ai cru que c'était un garde. C'est pas un garde. On va pas passer par le même passage. Allez, vite. Oh merde. Pas ce qu'il fout lui. Oh, fait chier. Trois gardes avec des points blancs, c'est abusé. Je veux absolument aller aux caméras, mais je peux pas, quoi. Si, c'est maintenant qu'il faut y aller. Oh putain, vous abusez, ils sont partout, les mecs. Ils ont tous des points blancs, quoi. Comment vous voulez que je fasse? Je sais pas ce que j'ai ramassé. On dirait un espèce de passe-partout. Mais alors, un passe-partout à l'intérieur d'une porte fermée par une serrure magnétique, je vois pas en quoi ça peut nous aider, quoi. Ok. Bon, alors maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté de la pièce. Voilà, ça c'est quand même bien mieux joué. On peut essayer de leur tirer dans les pattes aussi et de les assommer au sol, mais faut être un pro de la gâchette. Hein. C'est pas mon cas. Alors attendez. Là, c'est où le passage le plus court pour descendre? Je suis obligé de reprendre l'escalier. Ça c'est pas génial. Faut que j'aille dans les sous-sols en fait. On va foutre la merde. On va repasser par là. Moi, je sais par où passer. Oh putain, t'abuses là. Il veut pas sauter de n'importe quelle hauteur par-dessus les barricades, ça c'est dommage. Franchement, sauter de 3 mètres pour un super assassin, ça me semble quand même faisable. Putain, on a échoué. Bon, on est juste à côté de la sortie, ça devrait le faire. Bon, on va pas avoir un bon score, hein, mais je m'en tape. Voilà, j'avais envie de me marrer. Voilà, je préfère, c'est un peu plus propre. On zappe les scènes cinématiques. Ouais, donc de toute... Bah, c'est très bien, on n'a pas d'évaluation, j'avais oublié qu'on était hors ligne. C'est parfait. bien, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. Ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais bon, voilà.
du moment qu'on passe un bon moment, c'est le principal. Il y a des fois ça déconne un petit peu, hein, c'est pas toujours évident. Si vous voulez faire la mission en Silent Assassin, c'est vrai que c'est très exigeant. Là, c'était pas le but, je garde ça surtout pour mes contrats. Et ben la prochaine fois, je vais essayer d'en faire une deuxième à Bangkok. Après, on fera mon contrat. Et où ce contrat? Ah oui, merde, je peux pas. Bah oui, je suis hors ligne, c'est vrai. De toute façon, je vous l'avais déjà présenté. On fera mon contrat à Bangkok. Et puis, je vais pouvoir me remettre bientôt au chapitre du Colorado. J'ai hâte de m'y remettre. Il faudra que je pense à vous créer un contrat dessus aussi. Bon, allez, j'ai assez blablaté. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.